de l'interview de Nicolas Sarkozy qu'il a accordée à Sonia Mabrouk, à Vincent Trémollet de Villers et à Vincent Hervouet. Vous étiez peut-être à l'écoute d'Europe 1 entre 8h15 et 9h. Et nous sommes avec Mohamed. Bonjour Mohamed, puisque le président a parlé d'abord de Philippines, mais aussi de l'immigration, d'un problème économique pour la France. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment et de cette interview, Mohamed? Et je rappelle que vous nous appelez souvent, vous êtes, je crois, chauffeur de taxi. Exact, Pascal. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs de Pascal Pro. Alors, ce qu'a dit Sarkozy, c'est concernant, il l'a toujours dit un peu, même avant quand il était président, en disant que la France devrait avoir une immigration choisie et non pas une immigration subie. Et actuellement, le problème qui se passe, c'est qu'il y a une cristallisation sur des problèmes qui sont notamment causés par des personnes qui sont étrangères en France, mais pas forcément comme Philippines ou comme d'autres affaires qui cristallisent un peu la société et qui créent des discours qui sont de plus en plus extrémistes, plus en plus des discours de l'extrême droite. Alors, mais si on se pose C'est-à-dire, parce que tout est extrême droite, tous ceux qui parlent aujourd'hui de ces sujets-là sont taxés d'extrême droite. Moi, il m'arrive, je vois sur les réseaux sociaux, moi on me taxe parfois d'extrême droite. Dire l'immigration, faut en parler, faut que les Français puissent se déterminer, c'est ce qu'a dit M. Retailleau d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que ce que dit M. Retailleau est une phrase d'extrême droite? En fait, le problème, c'est qu'il faut aussi que la France, que les Français se prononcent via un référendum. Je serai le premier à le demander parce que ce serait bien. Quoique, maintenant, ça sert à rien parce que on sait ce qu'ils veulent, les Français. Ils veulent moins d'immigration, une immigration choisie, ouais. Et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, tu n'es plus en capacité de bien accueillir les immigrés. Point. Et ils veulent sans doute que le regroupement soit familial, soit plus regardé, si j'ose dire, et que le droit d'asile ne soit pas dévoyé. Voilà. Pascal, vous ne me laissez jamais aller au bout de ma phrase. Ben, je vous en prie, vous avez raison, et c'est de ma faute. En fait, ce que je vous disais, les cerveaux et les meilleurs des pays, et ça ne s'appelle pas de l'immigration, ça s'appelle la fuite des cerveaux, et tout le monde le sait. Donc, par contre, on doit faire quelque chose. C'est sûr qu'on doit faire quelque chose, mais il ne faut pas le faire dans des moments où il y a des crispations, comme l'affaire qui nous occupe depuis une semaine, le meurtre qui s'est passé au Bois de Boulogne. Donc, par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que si on fait un référendum, de toute façon, il ne sera pas pris en compte pour la simple raison qu'on sait maintenant, on a fait des élections européennes, des élections législatives, et le vote des Français n'a pas été pris en compte. Le gouvernement a fait ce qu'il veut. Il fera toujours ce qu'il veut. Ça, à part. Maintenant, parlons réellement, concrètement, de ce qui se passe. L'immigration, comme ceux qui disent l'immigration, ce n'est pas bon pour la France, c'est mauvais pour la France. Prenons les chiffres exacts. Moi, Pascal, je suis un immigré, Pascal. Pascal. Je vous en prie, oui. J'entends ce que vous dites, mais bon, vous êtes... Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais pour la France? Mais pas du tout, Mohamed. Mais vous avez quel âge, Mohamed? Maintenant, j'ai 60 ans. Bon, donc vous appartenez à un monde qui est complètement différent. C'est-à-dire que vous appartenez à un monde où, effectivement, l'immigration était moins importante et la capacité d'assimilation et d'intégration était plus facile, sans doute. Et qu'aujourd'hui, il y a des effets de seuil, c'est pas moi qui l'avais dit, c'est François Mitterrand qui l'avait dit, qui rendent plus difficile pour la France de bien assimiler, bien intégrer. Parce que, est-ce que 2021, c'est loin? 2021, non, c'est pas loin. Alors, il y a le rapport de la Commission des comptes de 2021 a considéré que l'impact de l'immigration sur les finances, sur ce que j'appelle les budgets sociaux est infiniment petit. Mais moi, ce n'est pas mon problème, le problème économique ou financier. Moi, il n'est pas là, le problème. Il est le problème. Mais parce que le problème, il est d'abord culturel. Le problème de l'immigration massive... Vous croyez que le fait que je sois en France, ça m'enlève ma culture? Mais pas vous. Pas vous. Puisque vous êtes assimilé, intégré. Mais vous avez des jeunes gens. Non, je ne suis pas assimilé. J'ai ma culture française, j'ai ma culture maghrébine, sans aucun problème. Mais,
Alors, si vous préférez intégrer, je veux bien qu'on joue sur les mots, mais vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui sont en rupture avec le modèle occidental, vous le savez bien. Et qui La majorité des gens, et les statistiques le montrent encore une fois, la plupart des gens qui sont en rupture et qui causent des problèmes, notamment parfois qu'on trouve, quand on regarde, la majorité ce sont des natifs. Qui ne sont pas des immigrés, mais qui vous avez parfaitement raison, bien sûr. En France. Mais vous avez raison, Mohamed. Vous avez raison. C'est-à-dire que vous avez des jeunes gens sur le... dans les écoles françaises. Hein. Mais parce que le nombre fait que là, c'est ce que je vous dis. Vous êtes né où, Mohamed ? Je suis né au Maroc. Bon, et vous êtes arrivé à quel âge en France ? À 24 ans. Bon, alors vous n'êtes peut-être pas le meilleur exemple que je voulais citer. Mais des jeunes gens qui sont nés sur le... Non, mais parce que vous êtes... Vous n'avez pas, comment dire... vous n'étiez pas dans les années 70 ou 80 un élève de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui n'avait pas de problème d'intégration ou d'assimilation avec la société française parce qu'il était au milieu de jeunes gens où il, comment dire, où il pouvait partager la culture française. C'est ça, et l'identité française. Et d'ailleurs, on a vu ça avec l'exemple des sportifs est très symbolique. Mais si vous avez sur le sol de France des gens qui sont en rupture avec notre modèle, qui par exemple ne veulent pas qu'on parle de certaines choses à l'école, qui pourquoi pas ne veulent pas qu'on mange certaines choses à l'école, qu'ils ne veulent pas qu'on aborde certains sujets à l'école, etc. Ben, c'est ça, être en rupture. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Et c'est pour ça que je suis exactement, Pascal, ça interpelle tout le monde, ça inquiète tout le monde dans le sens... Mais est-ce que c'est un problème de l'immigration ou un problème d'une conception sociale qui ne fait pas correctement son travail? Mais sans doute y a-t-il les deux, Mohamed. Mais effectivement, si vous me dites que comme la France a fait parfois n'importe quoi en faisant des zones où elle regroupait tous les gens qui arrivaient de pays étrangers et qu'elle a créé des endroits de sécession parfois avec le reste de la société et pour des raisons effectivement sociales, je vous rejoindrai. Vous avez raison. Vous avez bien raison, mais t'as un échec de l'intégration, un échec... Alors, vous parlez d'assimilation, on emploie les mots qu'on veut, mais il y a un échec sur certains plans. C'est ça que chacun constate. Et Mohamed, vous connaissez ce qu'a dit Platon. En plus de ça, vous avez 500 000 personnes qui rentrent chaque année sur le territoire de France. 500 000, comment vous faites pour intégrer 500 000 nouveaux arrivants? En fait, c'est impossible. Vous savez, ce problème de migration et les gens qui arrivent, vous savez très bien, Pascal, ça arrive en France, ça arrive en Angleterre, ça arrive aux États-Unis. Ah, ça arrive pas partout, pardonnez-moi de le dire comme ça, il y a des pays où ça arrive pas. Hein. Ah bon, en Grande-Bretagne, ça n'arrive pas. Mais ça arrive en Angleterre, oui. Mais je vous répète, il y a des pays dans l'Union européenne, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas avoir un esprit polémique, mais il y a des endroits où effectivement l'immigration n'est pas aussi importante et massive qu'en Angleterre ou en France. Oui, parce que l'Espagne, par exemple, l'Espagne et la France, on est aux frontières de la Méditerranée, l'immigration vient par la Méditerranée. Oui, il y a aussi. C'est géographique. Mais il y a géographique et historique. C'est-à-dire que nous avons un rapport, forcément, comme on a fait effectivement pas mal d'erreurs politiques au 19e siècle et 20e siècle, bien, ça nous revient en boomerang, bien sûr. Bien sûr que ce sont des sujets complexes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, aujourd'hui, sans doute, là où on peut se rejoindre, bah, c'est qu'il faut limiter l'immigration aujourd'hui. Pour la raison qu'a dit Monsieur Retailleau. C'est-à-dire que vous n'accueillez pas bien. Et puis, il faut repartir sur l'intégration et l'assimilation avec les jeunes générations, pour qu'ils se sentent vraiment français, pardonnez-moi de le dire comme ça. Que ces jeunes gens, il y a des gens qui ne se sentent pas peut-être français aujourd'hui, qui sont nés en France. Ben moi, ça m'inquiète, Mohamed. Oui, mais vous savez, vous utilisez des phrases assez spécifiques parce que bon, vous avez l'art de le faire, mais. Franchement, j'ai dit des choses très banales. C'est quoi se sentir français en réalité? Ben, c'est partager une histoire commune, partager des valeurs communes. Oui, mais c'est quoi? Non, donnez-moi un exemple concret. Ben, c'est aimer la France, des rois de France jusqu'à aujourd'hui. Ah bon, aimer les rois de France alors que les Français eux-mêmes ont décapité les rois sur la place de la Bastille. Mais c'est un bloc. C'est un bloc, l'histoire de France. Mais si effectivement on est dans la repentance, si vous avez des gens qui sont nés en France et qui croient que manger du cochon, c'est être français.
Manger des cochons, c'est pas être français. C'est pas ça qui fait un français. Mais... Moi, j'épouse la culture française. Moi, je suis marié à une berrichonne. Mais vous m'avez posé la question, je vous ai pas parlé de manger du cochon, pardonnez-moi. Non, mais faut pas réduire. Je vous ai répondu moi, ça. Par exemple, moi, c'est la plus que ça. Être français. C'est plus fort que ça, être français. Mohamed, être français, c'est plus fort que ça. Bon, alors, c'est sûrement plus fort. Être français, c'est forcément maîtriser sa langue, maîtriser évidemment sa culture, aimer ses incarnations artistiques, son cinéma, sa littérature, la danse, la sculpture, le sport. Le sport vous aussi, rappelez, c'est ça, c'est partager des valeurs en commun. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la réponse du roi Hassan II à un journaliste français sur le... Mais je sais très bien, on la connaît par cœur, vous en ferez jamais des bons français, avait dit Hassan II à Anne Sinclair. Non, j'espère qu'il se trompe. Il a dit mieux, il a dit vous arriverez à assimiler éventuellement la première et la deuxième génération, mais vous perdrez la main sur les générations suivantes. Et, et vous êtes d'accord avec ça? Ah bah, vous savez, je suis d'accord avec la phrase parce qu'il fallait la continuer. Ça contredit tout ce que vous venez de me dire. Écoutez-moi, non. Si vous êtes d'accord avec Hassan II, ça contredit tout ce que vous venez de me dire depuis 10 minutes, Mohamed. Non, le modèle qu'on a utilisé, parce que la majorité des problèmes, notamment quand il y en a avec des immigrés, parce qu'il faut aussi prendre les pourcentages, c'est des gens qui sont nés ici, qui ont eu l'éducation en France et qui ont vécu en France et qui ont que cette culture. D'ailleurs, ce sont des étrangers dans leur pays. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous disais, que certains ne se sentent pas français. C'est ce que je vous dis, que l'intégration et l'assimilation n'ont pas marché. Bon, on marque une pause. Mais j'ai là du mal à ne vous suivre. Mais ils ne sont pas non plus ni marocains, ni algériens, ni camerounais, ni sénégalais. Alors ça, c'est possible, mais j'ai du mal à vous suivre. Franchement, j'ai du mal à vous suivre. Il est 11h45 et... écoutez, c'est intéressant de discuter avec Mohamed, parce qu'on a des échanges... qui sont sur le fond. On marque une pause peut-être. Oui. Et à tout de suite. Et comme Mohamed, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 11h13. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1.